Allez, avec le capitaine, comment ça s'est passé ce match? Une belle victoire encore. Ouais, bon, on continue d'enchaîner. Je crois que c'est notre huitième victoire d'affilée contre une des plus belles équipes pour moi du championnat. Donc, on avait à cœur de se racheter par rapport au match de Coupe de France et au match à Mezzavia où on était passé totalement à travers. Donc, ça a été difficile face à une très belle équipe. Mais on a su répondre présent. C'était un match assez fermé, très peu d'occasions des deux côtés, mais on a su être réaliste. Et c'est le plus important aujourd'hui de vraiment frapper un gros coup sur le championnat, quoi. Alors, première mi-temps, ils ouvrent le score. On se dit, ça y est, ça va recommencer comme au match aller, ça va recommencer comme en coupe. Et puis, vous avez su revenir juste avant la mi-temps. Et après, vous avez pris le dessus en deuxième mi-temps avec des conditions climatiques qui, en plus, étaient difficiles. Ouais, c'était pas un match facile par rapport au climat. Il y avait du vent, il faisait assez froid. Après, on est préparé pour ça. On ne peut pas jouer toujours sous un soleil. Donc, non, les rôles se sont inversés. Les deux premières fois qu'on a joué contre eux, c'est nous qui menions deux fois au score. Et on perd deux fois 2-1. Coupe de France, c'était différent. Mais voilà, aujourd'hui, on a su répondre présent, montrer notre caractère vraiment, parce qu'on ne s'est pas affolé. Ils ont des joueurs d'expérience, nous un peu moins. Mais voilà, le taf a été fait et je suis très content pour les joueurs, le staff et tout l'ensemble du club. Et on maintient toujours cette marge d'avance sur le second. On a un petit matelas qui fait plaisir pour la fin de saison. Oui, bien sûr. Je crois qu'on est à 12 points. Après, il reste 9 matchs. On sait qu'il y a énormément de points à prendre. Il en reste 27. Donc oui, nous sommes bien placés. Mais après, il faut continuer à prendre match après match, vraiment. Et on fera les comptes à la fin. Voilà, là, il nous reste 9 matchs, 9 finales. On est devant, je préférais dans cette position. Donc voilà, à nous de faire ce qu'il faut et de garder surtout la tête sur les épaules et continuer à bosser. Allez Thibaut, profite bien de cette victoire ce soir et puis rendez-vous très vite sur le terrain d'Herbajol. Merci beaucoup, bonne soirée. Allez Flo, encore une belle victoire aujourd'hui. Encore une belle victoire, écoutez, on enchaîne. C'était un match compliqué, voilà, face à une très belle équipe. On a su montrer notre caractère, je pense que... Tout l'ensemble de l'équipe, on a passé un gros cap et on a su montrer qu'on était devenu une équipe qui était très forte mentalement. Et on ressort de ce match avec la victoire, donc on est tous très contents. Alors je parlais avec Thibaut des conditions climatiques, toi qui es gardien de but, ce qui dit gardien de but dit dégagement, c'était compliqué. C'était compliqué, le vent il soufflait quand même assez fort, ouais. Il faisait froid. Après voilà, on s'entraîne tous les jours pour réussir à s'adapter à ce genre de situation climatique. Donc, en plus c'était pour les deux équipes, donc... C'est ça, on a dû gérer ça. Alors le but que tu as encaissé, on l'a vu arriver bizarrement de loin, tu l'as vu comment toi? Je l'ai même pas vu. Non, ce qui se passe c'est qu'en fait il met une frappe qui est hyper inattendue, il n'est pas placé pour frapper, et puis le ballon je pense qu'avec le vent redescend assez vite, moi je le vois sortir 100 fois, et je suis surpris de la trajectoire. Donc voilà, il met un but magnifique, bravo à lui parce que je ne m'y attendais pas du tout. Allez Flo, bonne soirée et puis on se revoit très vite. Impeccable, merci. Un match difficile face à cette équipe du Gazélec d'Ajaccio, mais au final, les 3 points sont là. Oui, on savait que c'était très difficile. Le Gaz reste une des meilleures équipes de ce championnat. Ils nous avaient mis en difficulté sur le match de Coupe de France et en championnat. On avait perdu là-bas, donc on avait à cœur d'avoir une petite revanche. C'est chose qu'on a faite aujourd'hui. Alors, comment tu l'as vécu, toi, ce match, avec en particulier l'ouverture du score du Gazélec? Est-ce que tu t'es dit à un moment donné que ça allait être beaucoup plus compliqué que prévu? Je me répète, on savait que ça allait être très compliqué. Après, ils ont mis un super but. Voilà, faut lui dire bravo. Il a mis un but en pleine lucarne. Rien à dire. Donc, il a fallu renverser la situation. Les garçons sont restés toujours très bien organisés. On est resté en bloc. Donc, l'objectif, c'était de renverser la situation. On l'a très bien fait. Voilà, je voulais dire bravo une nouvelle fois aux garçons parce que c'est une remise en question toutes les semaines. Et aujourd'hui, ils le font très, très bien. Et c'est les féliciter encore une fois. Revenir au score juste avant le coup de sifflet de la mi-temps, c'était important aussi peut-être? Bien sûr, tout est important. Que tu reviennes à 10 minutes de la mi-temps, à 5 minutes après la mi-temps, c'est toujours important de revenir. Alors oui, ça a été peut-être un petit coup derrière la tête pour eux, revenir juste avant la mi-temps. Mais voilà, on avait fait simplement la moitié du chemin et il restait, fallait prendre l'avantage dans cette deuxième mi-temps. Chose qu'on a très bien faite sur un coup de pied arrêté, donc c'était intéressant. Comme d'habitude, on va préparer tout de suite le prochain match. On ne change rien, voilà. Aujourd'hui, il faut que les garçons y profitent parce qu'ils sont en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Mais voilà, il faut qu'ils profitent aujourd'hui. Et dès lundi, on se remet au travail parce que
nous attend une nouvelle fois un match compliqué à Istres. Voilà, c'était un prétendant aussi à la montée. On sait que ça a été difficile ici. Donc voilà, il va falloir se remettre en question une nouvelle fois le week-end prochain et d'être ambitieux et de pouvoir aller chercher les 3 points là-bas. Alors il reste 9 rencontres avant la fin du championnat, 27 points à prendre. L'objectif, c'est de ramasser un maximum de points. C'est exactement ça, voilà. Aujourd'hui, on ne fait pas de calcul et on se répète les matchs les uns après les autres. On ne fait aucun calcul et aujourd'hui, voilà, c'est se concentrer. Profiter ce soir parce qu'il le mérite, voilà, et c'est important, mais se concentrer dès lundi sur Istres parce que voilà, c'est encore un gros match qui nous attend. Il s'amène à Zibo, il s'amène à Zibo.